On est là pour s'opposer aux velléités de la mairie de Paris de mettre en place du stationnement de roues motorisées payant. Alors, on n'est pas là pour s'opposer uniquement bêtement, hein, mais on est là parce qu'on a des arguments en fait à leur opposer. Notamment le fait que les deux roues motorisées apportent une certaine fluidité en termes de trafic urbain, hein, puisque un deux roues motorisé, ça se déplace assez facilement. Et écologiquement aussi, puisqu'il n'y a pas de deux roues motorisées qui roulent au diesel, les deux roues motorisées roulent surtout à l'essence, enfin tous à l'essence. Ça consomme environ 5 litres au 100 en moyenne. Et surtout, l'espace du deux roues motorisé, l'espace intérieur, est occupé à 50%. Alors qu'on voit souvent des gens qui viennent en voiture, mais parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, nous, on ne stigmatise pas les automobilistes. Hein. On voit que des gens en voiture qui arrivent travailler sur Paris avec une personne pour une 4 à 6 places, inoccupées. Et puis l'optimisation aussi de l'espace public, hein, c'est-à-dire que sur une place de voiture, on met 4 motos ou 4 scooters. Voilà, donc pour toutes ces raisons, nous, on dit qu'on apporte une certaine fluidité au trafic urbain, une certaine plus-value, et que nous voulons conserver le stationnement gratuit, en surface en tout cas. Alors certains élus nous disent oui, mais vous devez payer comme les automobilistes, et puis c'est de l'équité. Donc si on rentre dans ce discours-là, alors dans ces cas-là, les deux roues aussi devraient payer, enfin les vélos aussi devraient payer, puisqu'ils occupent aussi l'espace public, et que nous, on n'a pas besoin d'arceaux de sécurité pour se garer, il nous suffit juste de la peinture au sol, alors que souvent, pour la problématique du vélo, c'est le vol en fait, hein. Il y a beaucoup de vélos qui se font voler, et eux, ils ont besoin d'arceaux pour se stationner. Donc dans ces cas-là, eux, leur stationnement coûte de l'argent à mettre en place, ils devraient payer, donc on est bien d'accord, ce serait ridicule de faire payer des vélos. Donc c'est pour ça que nous aussi, en termes d'usagers de roues motorisées, on ne veut pas être soumis à une taxe, parce qu'on n'a jamais payé, c'est pas parce qu'on n'a jamais payé, mais c'est parce qu'on apporte ces arguments-là. Non, ça sera surtout Paris. Enfin, si jamais c'est mis en place, ça sera surtout Paris. Nous, évidemment, on va peut-être tout faire pour que ça ne se mette pas en place. Mais c'est la ville de Paris qui décide. Alors aujourd'hui, il y a la maire du 9e arrondissement qui a dit qu'elle voulait mettre en place une expérimentation sur les stationnements payants chez elle. Mais elle s'est fait retoquer par le Conseil de Paris parce que ça sera toute la... si jamais ça se fait, ça sera sur toute la ville de Paris. Ouais, je suis pas sûr parce que, oui, alors de toute façon, c'est même pas par rapport aux Jeux Olympiques au niveau des sous, parce que la mairie de Paris elle a 7 milliards de dettes. Hein. Donc effectivement, c'est même avant les Jeux Olympiques hein, qu'ils devaient renflouer les caisses. Mais oui, ça pourrait être ça, effectivement, mais c'est juste qu'aujourd'hui, on nous accuse de tous les maux, c'est-à-dire incivilité, bruit, pollution, etc. Alors évidemment, s'il y a des gens qui roulent avec des pots qui sont pas conformes, bah, c'est la loi, il y a une loi pour ça, c'est pas la peine d'en inventer d'autres. Mais la majorité des usagers de roues motorisées sont des citoyens comme les autres, ils sont respectueux des lois. Voilà, alors tout ça, leurs arguments ne tiennent pas, quoi, de toute façon. Donc à un moment donné, oui, certainement, ils sont en recherche d'argent, mais... le problème, c'est que c'est pas avec l'argent des deux roues motorisées, parce qu'après, il faut mettre aussi en place du personnel pour la répression, pour la vérification, etc. Je suis pas sûr qu'avec ça, ils gagnent beaucoup d'argent. Voilà. Mais en tout cas, nous, argent ou pas, on s'y oppose à cette mesure. Trois roues, deux roues, c'est les deux roues motorisées. Quand on dit deux roues motorisées, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi les trois roues motorisées. Mais c'est deux, trois roues motorisées, tout le monde va y passer. Si jamais ils mettent ça en place, aujourd'hui, il faut savoir que le législateur et en tout cas les élus hein, ne font pas de différence entre une moto, un scooter à deux roues, un scooter à trois roues, et il y en a même à quatre roues maintenant les scooters. Donc ils ne font pas de différence avec ça. C'est les usagers on appelle ça des usagers de deux roues motorisées, mais ça inclut bien évidemment les trois roues. Donc il n'y aura pas, si jamais ça se met en place, de faveur pour les trois roues motorisées. Par contre, ce qui va se passer, c'est que les gens qui ont des deux roues électriques, des deux roues motorisées électriques, eux ne paieront pas. Voilà, parce qu'effectivement, il y a une envie écologique aussi là-dedans. Mais bon, on sait très bien que l'écologie, elle ne se passe pas qu'en France. Hein. C'est pas local, c'est mondial. Et quand on voit la catastrophe écologique que c'est d'aller chercher des métaux rares pour charger des batteries, hein, pour fabriquer des batteries, bon, en termes d'écologie, c'est un peu limite, hein, l'électricité quand même. Hein. Et puis si dans le meilleur des mondes, on devait tous se rouler électrique, alors déjà, on est en période d'hiver et que EDF crie au secours en disant « Attention, tirez pas trop sur le chauffage parce qu'on est limite », imaginez si tout le monde roule électrique, ça va être très compliqué. Hein. Donc aujourd'hui, l'électrique, il n'est pas vraiment adapté. Il est en gestation, mais il n'est pas encore vraiment adapté. En tout cas, il faut que les élus comprennent qu'ils ne peuvent pas mettre en place de la répression avant d'avoir mis en place les alternatives réelles. Hein, donc voilà, c'est ça aussi qu'on combat. C'est le non-sens. Puis après, nous vend aussi des voitures hybrides. Hein, en disant, les voitures hybrides, c'est bien, c'est mi-essence, mi-électrique. Ouais, sauf que les gens qui ont ces voitures-là, en fait, ils utilisent très peu le moteur électrique et ils roulent à l'hybride. Donc ils ont des voitures qui pèsent très très lourd. Et donc ils surconsomment en essence et pour une utilisation très restreinte du moteur électrique dedans. Donc, l'écologie, c'est devenu un vrai business. Voilà, il y a des gens qui s'intègrent dedans. Et maintenant, comme les élus,
parlent tous d'écologie, ils sont tous en panique là-dessus, ils sont prêts à prendre n'importe quelle mesure, même si elles sont ridicules, pour faire du greenwashing quelque part, pour dire, regardez, il n'y a aucun élu aujourd'hui qui va se permettre de dire, parce qu'ils n'ont pas, le courage politique de dire, attendez, l'électricité c'est bien, il va falloir réfléchir un petit peu quand même. Hein. Et on ne va pas de toute façon changer un modèle économique, on a depuis 70 ans, hein, depuis après-guerre, par rapport au moteur thermique, hein, je parle. On ne va pas le changer en 2 ans, c'est pas possible. Donc oui, il va falloir évoluer, il va falloir changer. Et aujourd'hui, dans la transition écologique, il y a aussi le mot transition. Hein, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ça d'un coup. Il va tranquillement et sans punir les gens, sans punir les citoyens, parce que si on veut parler d'écologie, ben, y a des industries qui polluent énormément. Et c'est pas que les pauvres gens qui roulent pour aller bosser qui polluent hein, quand même. Alors, mettre un bémol aussi là-dessus. Déjà, ça va pas se faire à Paris. Ils veulent le mettre en place, mais nous on est là pour s'opposer, donc c'est pas sûr que ça se fasse. Et si, et bien évidemment, après si c'est mis en place dans une ville comme Paris, il y a de fortes chances, ou de risques, pardon, que ça se mette en place dans d'autres villes, bien sûr. Alors, par exemple, là, il y a la mairie d'Aix qui a. S'oppose au stationnement des deux roues motorisées sur le trottoir. Bon, mais ils ont compris eux. Ils disent bah, y a trop de deux roues motorisées sur le trottoir. Bah, donc, ils ont fait une centaine de places gratuites, une centaine de places payantes et 350 places gratuites. Voilà. Pourquoi pas s'il y en a qui veulent payer pour être mieux protégés et d'autres qui ne veulent pas payer et avec de la simple peinture au sol parce qu'on ne demande pas plus. Et bah voilà, c'est une bonne solution. Voilà. Et eux, ils ont dit bah voilà, il y a trop de bécanes sur les trottoirs. Et bah, on va faire de la place. Alors que la mairie de Paris, elle dit. Il y a trop de motos sur les trottoirs, alors on va faire un stationnement payant. C'est contre-productif, ça va complètement à l'encontre de ce qu'ils veulent. Parce que si il y a trop de roues motorisées sur les trottoirs, eh ben, faisons plus d'espaces de stationnement gratuites sur la voie publique, sur la rue, et les gens iront se garer sur la rue. S'ils se garent sur les trottoirs, c'est parce qu'il n'y a pas de place ailleurs. Alors, non, mais bien sûr. C'est-à-dire que les stationnements de roues motorisées actuels deviendront payants. Voilà. Alors peut-être qu'ils en mettront un peu plus en place, j'en sais rien pour l'instant, mais c'est sûr qu'ils ne vont pas créer du stationnement payant, ils vont prendre les stationnements qui existent déjà et les rendre payants, ça c'est clair. C'était le long de la Seine, on ne sait pas où que je vais raconter. Là, je viens de faire les gilets jaunes. Bon, c'est pas. Les matins ont tiré les bureaux. Et ben voilà, moi je fais partie de la FFMC, j'ai même fait partie du bureau parisien et je trouve que j'ai quitté Paris. Quand j'habitais Paris, je roulais déjà souvent à vélo, mais moi je suis solidaire de tous les gens qui sont en banlieue et qui ne peuvent pas prendre le vélo, comme tous les vrais bobos parisiens, dont on va dire je fais peut-être partie, vu que j'habite encore à Paris. Enfin, j'habitais à Paris. Maintenant je suis parti pour des raisons personnelles, je suis parti habiter au Havre, qui est une ville beaucoup plus accueillante
pour les motos, pour les vélos aussi, mais beaucoup plus accueillante pour les motos. Et à chaque fois que je reviens à Paris, je suis absolument effaré. Non, je ne viens pas à Paris à moto, parce que je prends une grosse moto et me taper l'autoroute, c'est plutôt chiant. Je mets mon vélo dans le train et je suis quand même, j'ai beau être à vélo, je suis un motard en colère. J'ai dit qu'il faut peut-être pas oublier Madame Hidalgo et Vélorussion et compagnie, que la plupart des motards sont aussi des cyclistes. Et nous, on essaye de vous respecter, et vous, vous souvent, vous nous chiez à la gueule. Merci. Dispersion.
Soyez prudents sur la route, parce qu'on n'a pas besoin de vous. À bientôt et merci pour tout.